J'ai hâte d'être un vieux. Ils sont bien, les vieux. On est bon pour eux. Ils sont bien. Ils ont personne qui les force à travailler. On veut pas qu'ils se fatiguent. Même que la plupart du temps, on les laisse pas finir leur ouvrage. On les stoppe, on les interruptionne, on les retraite fermés. Et on leur donne leur appréhension de vieillesse. Et ils sont en vacances. Ah, ils sont bien les vieux. Et puis, comme ils ont pas fini de grandir, ils ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup. Bah, ils ont personne qui les force à manger. Alors, de temps en temps, ils se croquevillent un petit biscuit, ou bien ils se retartinent du pain avec du beurre d'arrache-pied, ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur soupe. Oh, ils sont bien. Jamais, jamais ils sont pressés non plus. Ils ont tout leur bon vieux temps. Ils ont personne qui les force à aller vite. Ils peuvent remettre des heures et des heures à tergiverser les rues. Et plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher. On les roule, on les roule, on les roule, on les roule. Et puis d'ailleurs, ils auraient même pas besoin de sortir du tout. Ils ont personne qui les attendresse. Et l'hiver, oui, l'hiver, oui. Mais c'est là qu'ils sont le mieux, les vieux. Ils ont pas besoin de douzaines de 14 soleils, non. On leur donne un foyer. Un bon petit foyer modique qui décrépite. Pour qu'ils se chaufferaient les mitaines. Oui, oui, l'hiver, ils sont bien. Ils sont drôlement bien isolés. Ils ont personne qui les dérange. Personne pour les empêcher de bercer leur ennui touffelé. Tranquillement, ils effeuillettent et révisionnent leur jeunesse rétroactive. Qu'ils ont oublié. Au fur et à mesure, sur leur vieille malcommode. Ils sont bien, les vieux. Sur leur guéridon, par exemple, ils ont une petite bouteille bleue. Et quand ils ont des mots, les vieux, des mots qu'ils ne peuvent pas comprendre, des mots mystères. Alors, à la petite cuillère, ils les endorlotent, ils les amadouillent. Ils ont personne qui les garde malades. Ils ont personne pour les assister soucieux. Ils ont même pas besoin d'horloge non plus. Pour entendre les aiguilles tricoter les secondes. Ils ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en dedans pour écouter leur cœur qui grelinde et qui frilote, pour écouter leur corps se débattre tout seul. Ils ont personne qui... Ils ont personne. Ils ont personne.